Un mix de réflexion avec Ludovic Bompard. Donc Ludovic qui participe au championnat de France Élite et aussi au championnat de Ligue. Donc toi, tu es plutôt un pilote de Ligue, moi je te connais, je sais que tu roules devant en Ligue. C'est quoi la différence, toi qui es en tête du championnat de ta Ligue, donc d'Occitanie, qui est quand même un championnat assez relevé, c'est quoi la plus grosse différence entre la Ligue et l'élite? Ben, la plus grosse différence, c'est que les pilotes sont un peu plus professionnels, on va dire. Ils font que ça, ils sont dans de gros teams, de très bonnes motos, donc il faut nous-mêmes mettre les moyens pour avoir une bonne moto, pour essayer de partir devant et suivre leur rythme. C'est surtout niveau moyen financier que c'est quand même différent, on voit que c'est beaucoup plus professionnel quand même. Ouais, je voulais venir à l'aspect financier, puisque justement dans cette Ligue d'Occitanie, ils ont mis des primes à la fin de l'année où il y a quand même moyen de se faire pas mal d'argent. On a discuté avec Lucas Hembert, lui il préférerait même faire que la Ligue d'Occitanie plutôt que le championnat de France. Toi, t'en penses quoi du championnat de France pour en vivre? Ça se passerait comment? Est-ce que tu préférerais faire la Ligue et plusieurs épreuves à côté, ou le championnat de France c'est indispensable? Ben, c'est une bonne réflexion en fait. Moi je fais le championnat de France pour justement essayer de prendre du niveau et pour arriver en Ligue et être bien, être devant pour prendre de l'argent. Après, c'est sûr que ça devient de plus en plus compliqué en France de vivre de la moto. Ça fait que pour vivre, faire le championnat de France élite, il faut clairement être dans les trois premiers, je pense. Après, ça devient assez compliqué parce qu'il y a des moyens quand même colossaux qui sont derrière. Moi, nous, on a les moyens de faire le championnat de France. Donc c'est toujours intéressant de prendre du niveau, se battre avec les meilleurs pour après arriver en Ligue et être devant, quoi. Tu disais qu'au niveau des motos, il y a quand même la différence avec les teams, notamment ceux qui sont devant, ceux qui roulent devant. Au niveau physique, est-ce que tu arrives à rivaliser? On pourrait rivaliser, mais le gros problème, c'est le manque de roulage en fait par rapport à ceux de devant. Physique, bien sûr, on se lève plutôt le matin, tu peux faire du sport. Ça, il n'y a pas de problème de ce côté-là, mais c'est surtout le roulage qui est important. Je discutais avec quelques pilotes qui roulent devant en élite. C'est vrai que ben, c'est 5-6 fois de la semaine de la moto. Pour moi, c'est impossible. Bon, j'ai compris. Il suffit de se lever tôt, de rouler, de faire du physique. Et c'est facile, en fait, la moto. Il n'y a pas que ça. Je pense qu'il faut aussi bien travailler comme il faut. C'est le plus important. Avoir la bonne méthode, être suivi avec un entraîneur physique, moto. Je pense que c'est quand même le plus important et partir sur de bonnes bases. Voilà. Ok, merci Ludo et bon courage pour ta saison. Ben merci à vous.